Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Baldur's Gate 3 où on est en train d'exterminer ces saloperies de Jitiankis. Pas gratuitement, hein, c'est quand même eux qui nous ont attaqués. On va continuer de se soigner. Voilà. Alors, il nous reste plus qu'un lieu à tabasser. Parce qu'on avait fait ça, le quartier du capitaine, on les a tous tués, là ça a été fait. Là, ça a été fait, là, ça a été fait. Il ne nous reste plus que le couvoir. Donc, eh bien, on va aller s'en occuper. Hein. De toute façon, on a un ours hibou, donc ça va bien se passer. Comment que ça se passe? Alors, il y a lui qui est là-haut. Là, il y a un autre maraudeur. Et là, il y a un guerrier. Alors, attention, attention, attention. Ça, c'est de l'acide dégueulasse. Donc, il va falloir que Carlac... elle avance. Je parie que tout est dans leur point de vue. Oui, ça sert à rien d'essayer. Car là, il va falloir qu'elle fonce, qu'elle saute et qu'elle aille tabasser les archers. Donc c'est parti. En avant, chargez! Allez, Carlac. Merde, il y a le gros cul de l'oursibou dans la porte. Est-ce que par hasard? Ouais. Bah écoute, tu vas rien faire. Ah merde, si, attends. Bonjour! C'est vrai. J'ai ça. C'est vrai que j'ai ça. Derrière. 50%, 40%, 40%. Bah écoute, tu vas bouffer. Hein. D'accord, c'est bien. Donc il a annulé mon sort. Je vais juste me mettre là, comme ça il aura du mal à me tirer dessus normalement. Je pourrais faire un sort de niveau 2 pour me téléporter aussi. Lui joue quand? Lui joue après l'oursibou. Donc là, ça va être les deux archers. Il vaut mieux que le mage reste derrière les arches, derrière l'oursibou. Connard. Hein? Comment j'ai fait pour entrer là-dedans? Donc on est d'accord, je peux sauter et sortir alors. C'est logique. J'ai appuyé. Dégage. Ça te va là? Voilà. C'est la guerre. La guerre. C'est eux qui ont voulu la guerre, c'est pas moi. Hein. Je vous le rappelle quand même. Ah non. Ah merde, trop loin. 30% de chance de le toucher. Reprendre mon bouclier. Il a réussi. Alors, bon. Donc. C'est dégueulasse! Parce qu'il m'a fait passer à travers le mur et que moi je peux pas repasser derrière le mur. C'est dégueulasse! C'est tellement dégueulasse! C'est tellement de la triche! De la triche! Excusez-moi, hein. Mais si mon perso peut passer à travers... Il était là. Il est rentré là. Il peut sauter à travers. C'est logique. Sinon, je passais pas à travers. Je rebondissais contre la plaque. Et je n'allais donc pas dans l'acide. Merci le jeu de tricher. Nous sommes toujours ravis de constater la triche. Les grilles qui n'ont... donc on a le titre de l'épisode. Hein. La grille qui n'a de... hitbox que quand c'est à vous. Ok. Ok. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas grave. Mais.
Alors. Je peux aller jusque là et sauter là, oui. Ça arrive. Petit 5 points de dégâts, nous sommes contents. Alors, je ne peux pas sauter. Oui, parce qu'elle m'a mis à terre. Eh bien, je ne vais donc rien faire. Voilà. Je décide de ne rien faire. Et toi, je décide de te tuer. Voilà. Et toi, tu vas crever aussi, espèce de gourde. Voilà. Oh ouais! Victory is assured. Knight to King 5. Au revoir. Bonne nuit. Dégage. GG. C'est bon. C'est pour éviter que ça se balade n'importe où là. Et que ça aille dans l'acide. Ok. Ça il faudrait... peut-être qu'en courant, celle-là elle est pas désactivée. Je vais essayer d'aller voler l'œuf. Ça c'est de l'acide aussi. Ombre cœur. Putain, 4 fois j'ai cliqué dessus quoi. Sérieux. Hop. Voilà. De toute façon, on va aller se reposer après. Hein. Voilà. Celle-là n'est pas désactivée. On est d'accord. Alors, petite question. Est-ce que je peux lui tirer dessus? Elle est solide, hein. Évidemment. Ah mais elle a explosé. Et voilà. Donc là on est d'accord qu'elle a pété, donc. Hop. Oui tu parce que en fait pourquoi je le fais avec elle, c'est parce qu'elle est la plus proche. Ah ils ont piégé le nid. Vas-y. Ah ouais. Ready and willing. The right tools for the wrong trade. Merci. Tout de même, je peux pas faire assistance, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est réussi. Pourquoi ? Je m'ai interrompu. Ah oui, bah oui, la porte n'est pas ouverte. Oui. Bon. C'est toi maintenant la plus proche. Allez, vas-y. Oui, t'as pas vu la mine, oui. Nous on l'a vu, c'est qu'elle est là. Ah, mais il y a un cercle ici. Un cercle de TP. Large green egg with an uneven shell. You can see a vague outline of something within it. Tendre la main et toucher l'œuf, ramasser délicatement et le ranger dans votre sac. Au revoir. Hop là. Hop là. On se casse. Et on aura tué toutes ces saloperies de Jitjunkies. L'extermination d'un peuple. C'est toujours une bonne idée. Veuillez enlever cette phrase de cet épisode. Vous le savez, c'est pour rire, c'est bon. Oh là là, bien sûr qu'on est pour l'égalité des peuples ici. Vous le savez, hein, je milite assez pour ça quand même. Sauf pour les nains. Et qui aime les nains ? Eh ben très bien. Voilà. Ils sont tous morts. Merci, au revoir.
Ils avaient qu'à être sympas. Hein. Moi, je suis arrivé en mode, je suis gentil, je veux négocier avec vous et tout. Et c'est eux qui m'ont attaqué comme des sacs à merde. Hein. Donc, qui crève. Je suis désolé, hein, c'est pas moi le nazi ici. Moi, pas très clair ça. Moi, j'ai été gentil. Hein. Je suis gentil. Hein. D'abord. Ah oui, attends. J'ai eu des objets. Demain, j'ai Chunkies de base, ouais. J'ai eu des gants aussi. Ah oui. Vas-y, range. J'ai eu des gants. Ah non, les gants, c'est Carlac qui les a eu parce qu'ils étaient sur l'autre, voilà. Ah, c'est des bottes. Ah! Good news! Voilà. Au moins, on ne sera plus emmerdé par l'acide. Voilà. Elle ne sera plus emmerdée par l'acide, vu que c'est elle qui va au cac. Au moins, son armure, elle ne sera pas abîmée par l'acide. Est-ce que quelqu'un veut nous parler? J'ai pas l'impression. Peut-être que. Ombre cœur, vu qu'elle a l'œuf. Peut-être un dialogue avec. I can't believe I'm actually venturing into a Gith stronghold again, voluntarily. This had better pay off. Quoi qu'il... Alors... Bah, de toute façon, il n'y a plus grand-chose. Hein. I've seen them at work before. I wasn't alone in my mission. All those who were sent with me were slain by Gith Yankee blades. They must want that artifact back badly. If they're dispatching red dragons in pursuit of it. But we cannot afford to lose it. I wish I'd never been sent on this mission. Votre mère supérieure a l'air d'y tenir. J'avoue que je me pose la question. Peu importe votre mission, concentrons-nous plutôt sur le point. Non? Yes. And she acts as Lady Shah's voice amongst mortals. She must be doing the Night Singer's bidding. I just don't know what it all means. All will be revealed in due time. I hope. J'ai envie de parler de ce qui nous est arrivé. Les pouvoirs d'Illithid. On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from and what lies at the end of that path. Mais eux aussi alors. I never expected Seramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Oups. Nous n'avons pas l'avantage des pronostics pour nous vraiment nous permettre. D'aucuns pourraient croire qu'un excès de prudence peut également conduire à un risque. Vous avez raison. It's been known to happen. J'ai envie de parler de ce qui nous est arrivé. Fine. What's on your mind? Que pensez-vous de moi? Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together. Mais oui. And it seems we have plenty in common, considering all we've been through. I think I was very lucky to find such favorable company. And attractive company too, no less. Ah. Très bien. Ella. Very serious of you. Comment sentez-vous? Je sens distrait. Je vous sens distraite. I won't pretend that I don't know what you mean. Ever since we entered the Shadow Curse, I felt like something's calling to me. Some purpose that I need to find. Give me some time. If I can figure out whatever it is that I need to do, well, then there should be more time for us. Ah, nous ferions mieux de faire route séparément. Non. Ok. Donc, on a bien un petit truc qui la perturbe. Très bien. Alors, normalement, voilà. Un dé. Hop. Merci. Allons nous reposer. Bon, tous ces G-Chunkies de merde sont crevés. Nous sommes donc... content. Le chien veut encore nous parler, très bien. Communication avec les animaux.
qu'est-ce qu'il nous a ramené cette fois? The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Ma, donne-moi ça. Non, qu'est-ce que tu as là? I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Merci. C'est bien mon toutou. Bah oui, c'est bien mon toutou. Bon, j'ai un peu déçu quand même que les Jichyankis n'en aient pas pu faire autrement que de tous les buter. J'aurais bien aimé qu'on puisse faire autre chose. Mais bon. Donc j'ai ça. Et donc ça, c'est de la merde en fait. Ouais. Ça vaut juste de l'argent. Non mais comme quoi il est utile, hein. Il nous rapporte du pognon. Ah oui, le bébé oursibou. Il a rien à nous dire, le bébé oursibou. Il est où? Il est là. On va lui faire un câlin. You smell very delicious, but I will not bite you. Voilà, on va lui faire des petites caresses. Voilà. More. Nice here. The cave smell. Yes. Fun. Voilà. Ok, donc ça c'est fini. La forge, je sais pas trop comment la rallumer. Il y a les fameuses tourelles là. J'ai pas encore trop compris comment on les éteint. Il y a le tir à neuil à tuer. On a un niveau de plus. Il y a l'araignée qu'on doit aller finir. L'araignée de face géante là. Avec un niveau de plus écarlate, je pense qu'on a moyen de la fumationner. Surtout que maintenant on a un oursibou, donc bon, je pense que ça va plus trop poser de problème. En vrai. La tour en ruine. Voilà, c'est ça, la tour en ruine. Là, j'ai vraiment pas compris les tourelles, comment on les détruit. J'ai pas l'impression qu'il y ait de passage sur le côté ici. Ça, on doit rallumer la forge. C'est pareil, je sais pas trop comment faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quête principale, la tour. Trouver les champignons demandés par Homme Lune. Nous avons trouvé des spores. Il ne reste plus qu'à apporter à Homme Lune une fois que nous aurons également la langue de folie. La tour appartient à une clairesse de Mistra du nom de Léonore. Elle aime le jardinage et fait des expérimentations sur la flore. Pouvons-nous nous aider Dorlune a besoin d'un champignon appelé la langue de folie. Ainsi, il nous reste plus que la langue de folie à choper. Donc ça c'est fini. Nous avons absorbé les souvenirs du parasite, ce qui accrue notre puissance mentale, d'accord. Nous avons trouvé d'étranges armoiries qui semblent appartenir au grand prêtre du seigneur de l'aube. Peut-être pourrait-on les détruire. Ouais. Nous avons trouvé la forge de la mantium, il ne reste plus qu'à découvrir comment l'allumer. Ça, je ne sais pas encore. Ça, c'est les quêtes de mes... Le pont menant au temple ancien a été détruit. Nous avons possédé une certaine résistance aux effets néfastes de la malédiction des endroits. Elle va probablement char qui la protège, mais compte tenu de la nature versatile de la déesse, difficile de savoir. Nous avons appris que Malforge menait au temple ancien. Peut-être que nous sommes aussi arrivés à la tribu de la nuit. Ils sont tous fait buter. Hein. On a quand même accompli pas mal de choses, hein, en vrai. Ok. Moi je dis on va laisser faire l'araignée. On va finir un peu tout ce qui nous reste à faire dans les zones. Là, on va se regarder. On va laisser faire cette araignée de ses mœurs. Si notre ami Ombrecoeur pouvait éviter de tuer les gens, ce serait déjà pas mal. Parce que la dernière fois on l'a tué. Vous pouvez la voir. Oula. Vas-y. Merci. C'est par là. C'était là. Hein. C'était pas par là. C'était ici.
faut aller. Comme ça, on les attaque par surprise. Alors, hop, on descend. On sait qu'il y a une araignée de phase là, une araignée là. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà... Hop. G. On coupe le groupe. On est d'accord que là, je prends pas de dégâts si je saute là. Voilà. Peut rester... Ah, elle est plus à couvert, tiens. Donc là, il y a une araignée de phase ici. Voilà, comme ça, elle va pas bouger. Toi, pour le moment, tu vas rester là, Karlak. Je vais prendre ton arbalète. Hop. Don't mind if I do. T'es qu'à 85% by the way. Merci. Je préfère, hein, moi, vous savez. Hop. Toi, t'es à 65. Non, je vois pas son 88. Très bien. Quoi ? L'arc. T'es à 60%. 84. Et on verra après pour... J'arrête pas de cliquer, c'est chiant. Ok. You've made a grave mistake. Ok. Gail. Dégage. Ok. Karlak, elle peut encore attaquer. Et elle peut aller jusque là. Bah, go. Tellement fort, tellement fort. 64%, c'est 100%. 11 PV, bravo. Donc elle est surprise, très bien. Ombrecoeur. Ombrecoeur, elle peut aller jusque là. Et tirer à l'arbalète dans la grosse niénier. Non. Pourquoi elle monte pas? J'ai bien cliqué là. Elle est pas montée. Marrant. Quoi? Pourquoi? Ah oui, parce qu'elle a déjà joué elle. Ça compte comme ayant déjà tiré. Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu puisses faire. Voilà. Ah ah ah! Moi j'ai déjà tiré aussi, hein. Oui. Donc moi je vais mettre là. Et je vais attendre qu'elle soit arrivée au corps à corps, hein, pour me transformer en oursibo. Ah non, ça, ça rend des PV à la cible. Ce qui ne nous intéresse pas en vrai. Ce qui serait bien, c'est un échange de PV. Vas-y. Ah, ça fait toujours ça de gratter. Hein. Gratter des PV, c'est toujours bien. Hein. Attends, j'en ai une deuxième. Faut tout réussir. Voilà. Donc là, elle va se téléporter là-bas. Elle va crier là-dessus pour les faire popper. Très bien. Là, elle revient. Ok. Alors, là, on a ça. En vrai, tu vas avancer. Est-ce que t'as... Ah, il n'y a peut-être pas de feu grégeois, lui. Non, mais il a un parchemin de main brûlante. Lancer. Quoi ? Voilà. Donc, parchemin de main brûlante, c'est tellement fort. Alors, là, il y a de la toile d'araignée de Seymour. Il n'y en a plus d'immunité à la toile d'araignée et on pourra jamais sauter de l'autre côté. Et là, on prend 20 PV si on tombe. C'est mort.
dégage. Hop, est-ce que t'as... Non, t'as pas de distance de tir. 20%. Allez, je dois m'avancer dans la zone... Ah, mais je peux faire foulée brumeuse. Donc je peux me téléporter ici. Hop. Alors, et moi j'ai des grenades. Ah, ça les a pas tous détruits, malheureusement. Mais avec le feu, peut-être que... Ok, elle se téléporte sur Gale, d'accord. Et l'arme, elle pourra pas taper. Est-ce qu'elle peut voler jusqu'en bas? Alors ça, je comprends pas, quoi. Je comprends vraiment pas le vol, hein. Pourquoi on me dit que là, je peux pas y aller, quoi? C'est pourtant dans le cercle. Moi, ça, je crois que je comprendrai pas, hein. Là, il faut qu'on m'explique vraiment comment ça fonctionne. Ok. Donc là, elle va se TP. Ok, proche de Carlac. Et elle tire sur... ok, alors... 75%. Alors, par contre... 1, 2, 3, 4. Ça, c'est sûr. Punaise, tu pouvais pas faire 10 sur la petite gnagnée. C'est un peu chiant, Gale. Ok, je me casse. Très bien. Alors, est-ce que 75% si tu te mets là? Bah go. C'est chiant. Ça, ça va brûler, donc on s'en fiche en vrai. Je pourrais descendre. Est-ce que je peux avoir une distance de tir? 49%. En me déplaçant là. Mais si je vais là. Je peux lui tirer dessus. Oui. Voilà. Ça c'est mort également. Très bien. Alors. Je peux plus monter. Non. J'ai plus assez de vitesse de déplacement. Mais je me déplace déjà pas mal. Hein, mon perso. Là-dessus mon perso il se déplace. Hein. Ça on sait. Voilà. Venez autour de l'arme. Ça, c'est une bonne idée, ça. Voilà. Tapez le trident, là. C'est une très très bonne idée de la part des araignées. Voilà. Il va me permettre de bien tanker. On va lui tirer dessus, parce que malheureusement, on peut pas trop... il tire. Distance. Oh, le petit 18 qui fait zizir. Allez, viens. Viens ici. Ok. Ok, bah écoute, un sort de niveau 3. Voilà, on se prend 6 petits missiles. Voilà. Et on prend très cher, madame l'araignée. Toi, tu vas pouvoir monter. Prochain tour, tu pourras faire d'autres sorts. Tu vas même te déplacer un peu plus. J'aime pas trop qu'il soit prêt. 50% de chance, c'est ça. 45. 40. Vas-y. 16 points de dégâts, magnifique. Évidemment. J'ai plus de quoi me TP. Alors, il faudrait que j'arrive. Il faudrait que j'arrive à la voir, elle. Quoique. Magnifique. Vas-y, tu vas. On va risquer ça. Entoilé. Sniff, sniff. Ah mais j'ai détruit la toile, d'accord. Merde. Ma petite Carla Quinette. Ah, je pourrais me TP sur elle, mais je risque d'être entoilé tout de même. Donc, boum. Et boum. Fini. Voilà, bonjour.
Ok. On peut la piller. Ok, voilà, bon. Ça s'est bien passé, hein. Alors. Oui. Oh, elle a une armure. Ça, c'est pas mal. C'est assez fort. Karlak, tu vas descendre. Pourquoi je dois appuyer tout le temps 50 fois sur un perso pour que j'en ai le contrôle? Ça, je comprends pas. J'ai. Ok, là, de toute façon, il n'y a plus rien. Ça, il n'y avait rien à looter dessus. Ça, il n'y avait rien à looter dessus. Des fois, on doit vraiment cliquer 50 fois pour avoir un perso, c'est assez, assez dérangeant. Mais voilà, c'était un bon combat. Pourquoi j'ai plus de torches ? C'est marrant qu'elles prennent la torche en main droite. Voilà, je préfère que tu l'aies en main gauche. The bones of the careless are probably littered down there. Ok. Et de toute façon, il y avait que ça, il y avait que cette araignée là. Derrière, il n'y a plus rien. Enfin. Oh. Une améthyste qui brille. Livre ancien. Ah! Il y a une toile d'araignée ici. Ah ah! On a peut-être trouvé ce qu'il faut pour ouvrir le livre de nécromancie. Oh, mais il y a un TP ici. Il y a un TP ici. À quoi il sert? Pas grand chose en plus. Là, là, ça nous mène où? Ça nous mène au niveau des œufs. Pourquoi il y aurait un TP? Pourquoi on voudrait revenir ici si ce n'est qu'il se passe un truc là après? Peut-être, hein. Là, il y a l'air de rien avoir. Ok, donc. Ouvrir le livre ancien. Nous avons trouvé la gemme permettant de déverrouiller le livre. Ah ah! Est-ce qu'on le fait? Il y a ça aussi. Il manquait de la pixie, je crois. Alors, bon, qu'est-ce qu'il nous reste? On va se poser 2 minutes. Et on va réfléchir. Ça, c'est fait. En fait, il nous reste plus grand-chose. Il nous reste vraiment... Alors ça, je sais pas pourquoi on devrait aller là. Il nous reste vraiment plus que la forge d'adamantium. La tour. Retournons chez les Myconides. Il m'avait donné un objet d'ailleurs. Cue à toi? Il a parlé des cues à toi. Well, perhaps after I finish my research here, I'll join her. Welcome back. Have you made any new discoveries? Chez vous, ici. I observe the fight from a distance. Combat is not my field of expertise, but the Myconids handled themselves well enough. D'accord.
I greet you, child of the sun. How has your search for the mushrooms fared? Impossible de faire confiance à un flagellant. A tongue of madness and the spores from a Timusk mushroom. You may find them in nature or the nearby cleric's tower. Be cautious. Those that have taken root are quite dangerous. Le trimasque, j'ai pu, je crois. Ah, c'est tous les objets que j'ai, ça? Alors, si je mets tri. Port de trimasque. Si, j'en ai 3. Ok. D'accord, donc on peut rechercher comme ça. Ah, ça, c'est bien. C'est bien fait, c'est bien fait. Donc, j'en ai 3 sur moi. Très bien. Alors, il me reste ça à faire, la tour en ruine. On va essayer de comprendre comment détruire ces tourelles. D'accord. Peut-être un petit repos court et on se fait le tiranoï. Est-ce qu'on se fait le tiranoï? Je suis pas sûr. En fait, je suis pas sûr d'être capable de le tuer. Il est fort, hein, il nous prend par surprise. Donc il a quand même un sacré avantage. Broca. Broca. Il faut sauter maintenant. Voilà. Merci, on broker. Voilà. Et c'est là qu'on veut aller. Alors. On my way. Manque qu'il soit pas passé en mode tour par tour tout seul. Donc. Ah oui. J'ai la foulée brumeuse tout de même. Trompette. En fait, là, on n'a pas été par là. Donc, je voudrais essayer. Hop. Donc là, elle va me voir normalement la tourelle. Elle va me viser. Merde. Mais je peux faire invisibilité. Et je ne peux pas foncer. Très bien. Alors, vous allez vous barrer par contre. On va ne prendre qu'un seul perso pour ne pas, pour pas être trop être gêné. Voilà, là elles peuvent pas me tirer dessus, je suis trop loin. En fait, le truc. Ce serait de. Hop, casser le. Le groupe. Et alors, est-ce que je peux faire ça? Je peux pas repasser en mode tour par tour. Ok. Voilà, merci. Ah, mais ça met tout le monde en tour par tour. Dommage. Un feu de camp ici. Je croyais qu'elles étaient assez loin pour pas rentrer dans le. Et j'ai pas le droit à assistance? Pourquoi j'ai pas le droit à ma propre assistance? J'ai assistance normalement, j'ai le droit. C'est pas grave que j'ai pas le droit d'assistance, en vrai on s'en fout. Ah non, mais peut-être que t'as pas le droit en mode tour par tour parce que t'aurais dû faire brise ciel et des lingots d'argent. Lettre adressée à Ytre. Ah, ça par contre.
Merci. Un lingot de bronze. Pourquoi j'ai redevenu visible ? Alors, j'ignore si tu reviendras ou même si tu iras, si tu liras un jour ce message. Mais si jamais tu repasses par ici, tu veux bien m'attendre. Je serai absente que quelques décades. Mais l'idée de revenir dans cette tour déserte avec Bernard pour seule compagnie, j'ignore combien de temps pourrais-je le supporter. N'imagine pas à quel point tu me manques. Je n'arrive pas à me chasser de l'esprit les choses qui auraient pu être bien. Différentes si je ne m'étais pas montré aussi têtu. Travailler sur tes inventions liées à la foudre. Et en couplant à ma magie, prendre un repas ensemble. Elles ont combien de PV ? En fait, je sais pas si je suis capable de les détruire avec ma foudre. Oh ! Donc elle est morte. Non, il reste 17 PV quand même. Je comprends pas. Je voudrais voir ce qui se passe. S'il te plaît, le jeu. Ah ! Et elle, elle est morte alors. J'ai l'impression qu'elle est morte, hein. Another step forward. Survie ratée, d'accord. Là, il y a un truc à voir. La cible est hors de vue. Mais ça, c'est mort ou pas ? Je sais pas. On va courir, hein. On va courir. Lui, il a encore la foulée brumeuse et il a aussi des éclairs. Hein. Donc peut-être moyen de les casser. Non. Allez. C'est réactivé. Looking ahead. Time to press ahead. On peut pas interagir avec. Donc là, elle est désactivée maintenant. At the ready. Le truc, c'est que je sais pas si ça les désactive pour tout le temps ou juste un petit peu. I wonder what the next move is. No time for dally. Well. Moving it. Mind if I get closer? Ok. Est-ce que ça se réactive ou pas ? Ah, y a pas l'air, hein ? Et ça, c'est intéressant, par contre. Il y avait un test ici. Moi, j'aime bien faire les tests. Raté. Bravo. With haste. Oui. Voilà. Heureusement qu'il y en a un qui était capable de voir ça. On s'en occupe après. Alors, maintenant, il y en a encore deux à l'intérieur, on le sait ça. Alors, moi, ce que j'ai envie de voir, maintenant, donc là, je vais sauvegarder.
Et on va arrêter le mode tour par tour. No traps, please. Ça a l'air d'être désactivé de manière permanente. If not over, then through. Donc il suffisait juste de leur tirer dessus en fait. D'accord. Bah écoutez. Alors maintenant il me faut une langue mortelle, c'est ça? Donc ça on peut passer, c'est bon. Et là ça se réactive dans mon dos et je meurs. Très très fort appel de la foudre apparemment. Sur eux en tout cas. Bah c'est, de toute façon c'est très très fort comme ça on est. Heureux particulièrement. Sur ces bestioles là en tout cas. Maintenant la question c'est est-ce que elles vont être désactivées si je me téléporte et que je vais me reposer, est-ce que ça continue à être désactivé? Ça c'est une autre question qui n'est pas la même. Il y a encore deux machines. Alors, donc il y a encore deux machines. On va passer en mode tour par tour. Je ne la touche pas. Je vais me mettre, je vais courir jusque là, je pense. Allez, le sprint est là. Pourquoi impossible d'atteindre la destination? Parce qu'il faut sauter à l'intérieur, c'est ça? On va se mettre là. Ils peuvent pas me tirer dessus. Ok. Perso principal. Sauter à l'intérieur. Hop. Je peux balancer mon sort. 32, très bien. Et donc, désactiver. Après, il n'y en avait plus. Hein. Hop là. Et si tu pouvais la redésactiver, s'il te plaît. Allez, détruis-la. Voilà, donc tout est désactivé. Gale. Gale, merci. Crochette, ce que tu as. Voilà, et là j'ai une sauvegarde, intéressant. Alors je sais pas pourquoi moi j'ai pu, on n'a pas vu le mien. J'y réessaye direct. Mais tu le fais exprès, Gail, sérieux. Il a l'avantage, il n'y arrive pas, quoi. Allez. Merci, quand même. Ok. Donc. Alors. Mécanisme cassé. Potion de guérison, élixir de soif de sang. D'accord. Ça me fait un peu peur, mais pourquoi pas. Alors. Et ça, ça marche pas. Hein. Les gemmes lumineuses, on peut pas les ramasser. Et là, il y a un livre. D'accord. On peut l'examiner. Ouais. Wait. Did that just transform? Hein?
Ah, bordel. J'ai. Les pétales fanées. Les pétales fanées, il faut les mettre dedans. Les lueurs en tout ce qui vit, elles remontent à la surface. Ouais. Ah là là, dommage, je les ai plus sur... Ah, c'est peut-être Gale qui les a. Les ai mis au camp. Is that blood? No, never mind. Ils sont où? Je crois que je les ai mis au camp. C'est vrai que j'avais mis des potions là-dedans. J'avais rangé plein de choses. Merde. On va tout allumer. Tant qu'à faire. Ouais. Alors. Par contre, ça va peut-être nous permettre de voir. Après, là, vu le temps que c'est passé. Pour moi, elle se rallume pas. On les a cassés, ça y est. Après, sinon, je sais comment faire. Hein. Je balance... On fait... Ah, yes, ah oui. J'ai le chapeau ignoble. Ça, c'est le... ça, c'est ce que vous mettez sur un guerrier, ça. Voilà, il a... elle a pas une tête d'impérial, là, comme ça. On dirait pas un personnage de l'Empire, de Warhammer. Vous mettez ça sur un mec en armure, je peux vous assurer qu'on dirait un mec de l'Empire. Attends, j'ai une grosse armure là, et puis une grosse épée, vas-y. Oui, au camp, voilà. Ok, elles ont l'air d'être cassées ad vitam aeternam. Ce qui est en vrai très bien. Nous sommes d'accord avec ça. Hop. Voilà, tu descends là, s'il te plaît. 2 PV. Est-ce qu'ils vont vouloir sauter ou pas? Gale, oui. Alors, ombre cœur. Hop. Il faut surtout pas se planter et appuyer là. Hein, parce que sinon, c'est la mort. On est d'accord. Hop, hop. On était rentré ici? Apparemment, oui. Ok, bon. Donc, j'ai peut-être chopé des trucs de la mort là. Bah non, sinon il me l'aurait mis dans la quête que j'en avais. Hop. Ok, bien. Alors, il faut que je retrouve les pétales fanés et que je les mette dans ce coffre pour voir si ça fait quelque chose. Et ils sont au camp, ça c'est sûr. Parce que j'ai pas vendu d'objets... masques, ouais. Mais ça, on n'a pas besoin de les détruire. Les sacs. Nous n'avions pas fouillé. Ok, le livre, on l'a lu. Je suis étonné qu'il n'y ait pas moyen de, un moyen plus simple de réactiver cette histoire. Parce que pour moi, c'est sûr que c'est les pétales fanés. Hein. C'est un truc à voir avec les pétales bleus, là.
Ça, c'est sûr et certain que ça a à voir. Et là, je vais me faire mal, je crois. 15. Mais non, je vais pas me faire mal. Ah merde, c'est un repos court ou un repos long? Court repos. Alors, on va tout de suite le voir. Hein. Est-ce qu'elles se sont réactivées ou pas? On les voit pas. Je ne peux pas le dire. Saloperie. Ok. Alors, où les brumeuses? Ah, mais je peux me téléporter en bas directement. Écoute. D'accord. Si tu veux. Toi, t'as pas la foulée brumeuse, donc toi, tu vas subir, c'est tout. Toi, t'as la foulée brumeuse avec un sort, tu vas l'utiliser. Voilà. Kerlak, tu as la foulée brumeuse aussi. Et Ombrecoeur, bah Ombrecoeur, quoi. Tu vas subir, toi. 15 PV, hein. C'est vrai que moi j'avais le vol, j'aurais pu me transformer en corbeau et lui donner mes bottes. C'est vrai. This way. Mais ça me faisait plaisir. Tiens, voilà. Hop. Ça prend, tu prends tellement cher. Ok, alors j'avais laissé ouvert, hein. Oui. Champignon bleu. Ok, bon, les tourelles, c'est géré. Et ça, il n'y a vraiment pas moyen de récupérer des pétales. Peu dommage, ça. Hein. Ça me paraît tellement obviously possible, en fait. Ouais, parce que là, on n'a rien qui est capable de choper ça. C'est pareil, si on appuie dessus, ça fait quoi? Bon, ça, on peut les prendre, mais on ne peut pas les utiliser. Ouais, je crois qu'on les prend si on fait ça. Vas-y, regarde. Possible d'ajouter à l'inventaire, ouais. Donc, on peut pas les utiliser en tant que tel. Ça, c'est clairement les... Alors, on va juste donc aller à l'inventaire. Alors, ah ben oui, mais en plus... Ah ouais, mais je vais être en bas. Juste voir s'ils sont bien là. Je pense qu'ils sont. Coffre. Alors, et si là on met... Ah, y a pas... Ah, y a pas... Fais chier. Par type... Fais chier, ça. Y a pas les... la recherche quand on est dans ce coffre. Ça, c'est des pierres précieuses. Voilà, les champignons. Métal gelé. Pas ça. Sinon, on n'a pas trouvé le bâton cassé de la lance. Marrant, ça. Tu peux certainement faire quelque chose avec cette lance, c'est sûr. Des tableaux. Que
Ouvrir. Des pièces spirituelles. Ah, le fameux livre. Ah merde, ils sont où ces pétales ? Vous avez trouvé des pétales fanés ? Je m'en souviens bien. Non, c'est pas des trucs à manger. Pas possible. Let's get on with it. Je les ai pas revendus quand même. J'avais une potion de feuille morte pour mon broker pour pas qu'elle se blesse quand elle a sauté. Soldier. Ce serait Will qui les aurait. Mmh. On était avec Will à ce moment-là ou à Staffion ? All's well that ends not as bad as it could have. Je pense que c'était plus Will, hein. Allez, on peut pas aller dans leur inventaire, ça c'est dommage. Est-ce que si je lui fais du vol à la tire, on va me dire c'est bon. Mettre dans son dos. Juste voir un truc. Non, il a rien, il est tout vidé. Let's have a look. Où est-ce qu'ils sont passés ces pétales fanés alors ? Ça c'est les armes, ce sera pas là. Ça c'est les armures, ce sera pas là. Non. Parce que j'ai plein d'encens et j'aurais vendu les pétales fanés et pas l'encens alors que j'ai dit que les pétales c'était sûr que c'était mais ils sont là. It's... Non, non. Connard. Quel con. Alors déjà... Et tu sais quoi? Tu vas... Hop, faire ça. Alors, tu vas ranger par type. Là, ça va galérer, hein, évidemment, parce que j'ai beaucoup trop d'objets. L'ordi rame. L'ordi n'en peut plus. Il est en train de mourir. Est-ce qu'on va être sur un crash du jeu? Non. Comme quoi, le jeu est bien fait. Allez. Ouais, bah là, tu m'étonnes que là, il va galérer, le pauvre. C'était pas prévu, je me suis trompé de touche ordinateur. Désolé. Je suis vraiment désolé. Il en peut plus, là, l'ordi. En plus, je me suis vraiment trompé de touche, quoi. Tu sais quoi? Tu vas aller jusqu'en haut et tu vas juste... Pourquoi ça s'est enlevé? Oh, bordel, ça va être chiant, alors. Allez! Ça va, j'ai pas tant d'équipement que ça.
Bon, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que malheureusement, je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'ai fait de la merde. Changer. Et donc, tant que je fasse ça, ça va prendre du temps. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et en espérant que je ne fasse plus de la merde. Allez, bye bye.